Salut les filles et les garçons. Alors, ce week-end, j'étais à un mariage. Donc là, on est dimanche soir. Je viens de descendre de la voiture et du métro à l'instant. J'ai même pas défait ma valise. Et je me suis dit, tiens, si je faisais une vidéo sur ce que j'ai emporté comme maquillage en week-end. Enfin, c'était un mariage qui n'était pas du tout à Paris, donc je suis partie pour le week-end. Je me suis dit, je vais faire une vidéo sur le maquillage que j'avais emporté pour un mariage. Parce que, bon, grosso modo, c'est j'utilise les mêmes trucs que d'habitude. Mais enfin, bref, je trouvais ça marrant. Donc voilà, le mariage c'était hier et il y avait un brunch ce matin. Donc j'avais prévu un peu pour les deux trucs. J'ai une sale tête, je suis désolée, je vous prie de m'excuser pour ma sale tête, mais forcément mariage hier, donc fatigant, la fête, machin, tout ça, couché très tard. Et puis, donc voilà, j'ai une tête de lendemain de fête hein, et je sors juste du métro, donc je ne suis pas du tout. Alors, donc j'avais ma petite trousse Zoé Show. J'en ai fait une trousse à maquillage, elle est très bien pour ça. Bon alors normalement en week-end j'emmène quasiment rien, mais là elle était bien bien pleine. Et en plus, j'avais triché parce que dans ma deuxième trousse, dans la trousse Etsy, j'avais mes deux naked. Ah oui, je suis partie avec les deux parce que je savais que mes couleurs préférées en fait sont réparties entre les deux. Donc il me fallait les deux. Donc, par quoi je vais commencer? Bah donc les deux naked, voilà. Moi typiquement si je dois aller à un événement important ou si je vais partir... la lumière change. Si je devais partir genre un mois quelque part ou je sais pas quoi, je pense que j'emmènerais juste mes deux naked probablement. Avec ça on peut tout faire quoi. Et donc j'avais fait un maquillage, alors aujourd'hui je suis quasiment pas maquillée, hein. J'ai juste du mascara, mais hier j'avais fait un maquillage tout ce qu'il y a de plus classique avec le coin externe banane, plus foncé, tout ça, du liner à la poudre, voilà. Et donc à la limite si ça vous intéresse je peux vous le refaire, mais franchement ça n'a aucun intérêt quoi, c'est vraiment... Enfin, c'est le maquillage que je fais habituellement, on a un peu plus travaillé, un peu plus appuyé, mais vraiment le maquillage que je fais habituellement, quoi. Mais alors voilà, avec ça... Et en plus, je m'étais dit, si jamais la mariée a des problèmes, parce qu'elle se maquillait elle-même, je m'étais dit, si jamais la mariée a des problèmes, avec ça, je peux toujours la sauver, quoi. Bon, Dieu merci, elle s'en est très très bien sortie, c'était ravissant. Elle était jolie, mon Dieu. Elle était tellement jolie, quoi. Elle est gracieuse, cette fille, elle est d'une élégance. Elle était divine, tout était divin, c'était dans une région sublime, tout était, mais j'ai jamais vu des endroits aussi beaux. Et alors donc, dans ma petite trousse, alors j'avais emporté des pinceaux, ce que je ne fais pas quand je pars en week-end, mais quand même pour bien se maquiller, enfin moi pour bien me maquiller j'ai besoin de pinceaux, je ne peux pas faire sans. Et donc, je vais faire chaque pinceau avec chaque truc qui va avec, quoi. En essayant de ne pas m'en foutre partout, j'avais évidemment mon fond de teint Shiseido en Yvan. Ça, quand je veux être absolument sûre de mon temps, que je veux être tranquille, voilà, c'est ça que je prends. Ça me fait penser que si jamais vous partez comme ça en week-end, vous avez une soirée à un endroit où vous devrez vous maquiller dans un endroit dont vous ne connaissez pas bien la luminosité, qui ne ressemble pas forcément à celle à laquelle vous êtes habitué chez vous pour vous maquiller, prenez des produits dont vous êtes absolument sûre et que vous connaissez par cœur. Ça, moi, limite, je pourrais me maquiller dans le noir avec, quoi. On rajoute un peu parce que pour estomper c'est quand même mieux d'y voir, mais je sais quel sera le résultat couleur sur ma peau, quelle que soit la lumière. C'est-à-dire que même si la lumière fausse le truc, je sais quel sera le résultat couleur sur ma peau. Et c'est assez vrai aussi avec les deux naked parce que je connais bien les fards, je les ai beaucoup utilisés, et donc je sais ce que ça donnera. Mais c'est pour les produits teints que c'est le plus important. Parce que si le teint vire à l'orange, et notamment si c'est leur mariage à la belle saison quand il fait chaud, avec le sébum on va oxyder le fond de teint. Si on vire à l'orange en fin de journée, c'est vraiment pas joli, donc il faut. Il faut avoir des produits qu'on connaît bien et dont on est sûr qu'on a déjà utilisé avant. Et moi j'avais fait des tests avant, notamment pour les poudres, pour voir laquelle tenait le mieux sans faire kéki, machin. Hein. Non, mais c'est... Autant pour les fringues, j'ai fait un vague essayage la veille au soir, vendredi soir, pour vérifier que la veste allait avec la robe, machin, mais à la limite je m'en foutais, mais alors par contre le maquillage, une semaine de test, quoi. Eh, on ne se refait pas. Donc, je reviens donc à mon fond de teint Shiseido, donc voilà, mon fond de teint préféré au monde, avec le pinceau qui va avec. Pas seulement, bah, oui parce que déjà il est fait pour aller avec, mais enfin il y a plein d'autres pinceaux qui marchent avec ce fond de teint, mais c'est surtout qu'il est très petit. Et du coup, à trimballer, c'est bien, parce qu'on n'a pas peur de l'abîmer et puis il prend pas de place. Donc vachement bien. Ensuite j'ai rangé les trucs au fur et à mesure, tiens, ça va faire une petite occasion de rangement. Ensuite j'avais, en anti-cerne, deviné. Quelle surprise! Nars, here we come! Donc bah, mes deux, hein, Custard et Chantilly, toujours. Que je pose au doigt et que j'ai pas poudré du tout. J'avais pas emporté ma powder flash ni rien du tout. J'avais fait encore des tests dans la semaine pour vérifier. Ça bouge pas du tout. Aujourd'hui, attendez, je vais vous montrer. Je vais essayer de zoomer un peu pour vous montrer la tête qu'il a après. À quelle heure je me suis maquillée aujourd'hui? 10h du matin, il est 7h du soir. J'ai eu très chaud dans la voiture. Vous voyez?
C'est ça bouge pas quoi. Et pour le mariage, eh bien, je l'avais pas poudré non plus pour pas marquer le contour de l'œil. Ça a pas bougé. Donc voilà, mon anti-cerne chéri. Que donc je pose au doigt. Ensuite j'avais. Alors pour les poudres, j'avais fait plein d'essais. Faut que j'arrête de baisser la tête comme ça, parce que quand je la remonte après, ça fait super bizarre. Alors, attendez, je vais poser mes pinceaux, rester comme ça. Sinon ça fait des trucs de lumière un peu curieux. Pour les poudres, j'avais fait plein d'essais avant pour être sûre que ça fonctionnerait bien. Donc j'ai emporté 3 poudres avec moi, plus un blush et une terre de soleil. C'est les produits teints qui prennent le plus de place chez moi en général. Donc j'avais pris. J'ai pas poudré pareil de la même façon les deux jours. Attention. Attention, là c'est du lourd. J'avais pris la Stémat pour le jour du mariage, hier. Parce qu'elle matifie vraiment. Je savais que j'allais avoir un peu chaud, danser, machin, etc. Et donc j'ai poudré tout mon visage à la Stémat, ce que je fais pas habituellement. Je poudre plutôt juste la zone T. Mais là, je voulais être vraiment tranquille, je voulais pas que ça bouge. Et je savais qu'à la limite, peut-être je serais un peu prise en photo, ou que. Enfin, si des gens me voyaient de près et que ça semblait un peu. Ça se voit un peu plus, je trouvais pas ça très grave. D'autant que j'avais pris pour la poser le blush brush de Real Techniques, qui en pose peu, vous voyez, c'est pas comme si on la posait à l'éponge ou à la houppette, ça fait un fini léger avec ça et les deux ensemble, et c'était nickel, ça n'a pas bougé du tout, c'était parfait. Et comme le couvercle tient pas très bien et qu'il n'y a pas de, je sais pas pourquoi sur la mienne, et qu'il n'y a pas de miroir, dans mon sac, avec moi, dans mon sac j'avais pris juste un rouge à lèvres et ma poudre, et dans mon sac j'avais pris, où est-ce qu'elle est passée, j'avais pris la poudre Chanel, la poudre universelle de Chanel, en poudre universelle compacte en 20, qui est ma couleur d'hiver, et qui donc est bien en ce moment. Enfin, c'est-à-dire que ma couleur d'hiver, moi, elle me tient généralement jusqu'au mois de juillet. Hein. Ma couleur d'été, elle arrive vers mi-août. Ça fait genre une demi-teinte de plus, parce que je ne bronze pas, je fais attention. Mais donc voilà, qui est comme ça. Parce que je voulais, pour faire une retouche éventuelle, ce que je n'ai pas eu à faire d'ailleurs, il me fallait une poudre matifiante, et celle-ci est bien matifiante. La poudre universelle de Chanel, elle fait partie des bonnes poudres matifiantes. En plus, il y a un miroir avec, donc si j'avais besoin de me repoudrer le nez, c'était pratique. Il y a une houppette aussi, et donc c'est très pratique, je trouve, à transporter. Et d'autre part, oui, je l'ai pris aussi dans cette couleur-là, parce que je me suis dit que justement, si mon... Il y a une énorme mouche chez moi, c'est très très bizarre, j'espère que c'est pas une abeille. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment t'es rentrée? Pardon. Je me suis dit que si jamais mon teint était un peu oxydé dans la journée, par la chaleur ou ce genre de choses, je surveille la mouche. J'ai horreur des très grosses bêtes comme ça. Si je poudrais, après avoir évidemment épongé le sébum avec un Kleenex ou un truc comme ça, avec une poudre pas trop foncée, ça ne... Faut pas augmenter. L'idée, c'est voilà, on va y arriver. C'est le souk, comme d'habitude. Bon, je suis un peu claquée en plus, donc ça n'aide pas. Mais l'idée, c'est que si vous êtes donc à un mariage, machin, que votre teint commence à s'oxyder un peu et que vous voulez refaire un peu votre teint, enfin le rafraîchir, il faut ni le surcharger, ni modifier sa couleur. Et donc, il faut que vous ayez une poudre pour repoudrer qui soit pas plus foncée, ni d'une couleur différente de ce que vous aviez mis le matin, et qui n'ajoute pas de couleur, surtout, donc celle-ci, elle est quasiment transparente, et surtout, avant de poudrer, poser un Kleenex comme ça sur le visage pour enlever le sébum, parce que poudrer directement par-dessus du sébum, ça va faire des paquets, ça va être dégueulasse. Donc voilà, donc j'avais ça dans mon sac, mais je n'ai pas eu à m'en servir. La Stémat a très bien joué son rôle. Attendez, je range ça. Et j'avais une troisième poudre que j'ai utilisée aujourd'hui, qui est la Mineralize Skin Finish de MAC en light. Toujours avec le même pinceau, hein, toujours avec lui, parce qu'elle est très bien. Donc tout ça, évidemment, sur le visage, pas autour des yeux. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, j'étais un peu lendemain de fête, quoi, comme ça. Et donc je voulais un fini, j'avais pas envie de... Enfin voilà, je savais qu'il y avait juste un brunch ce matin, donc ça durait... On avait 2 heures de temps avec les mariés, etc. Et donc je voulais juste avoir un fini un peu... le teint frais et propre, quoi. Et puis, pas forcément hyper matifié, mais voilà, un petit fini un peu comme ça, satiné, cassé de poudre, donc c'est parfait pour ça. Je précise bien entendu que sous mon maquillage, hier comme aujourd'hui, j'avais mis mon écran 50 de Kiehl's, hein, parce que les mariages, on choisit pas toujours de pouvoir se mettre à l'ombre. Donc j'avais beau être comme un vampire à essayer de raser les murs, malgré tout, il y avait des moments où j'étais en plein soleil, donc j'étais bien contente d'avoir mon écran. Voilà, j'avais emporté ma... Ça vous surprendra pas. Mon nude tan de Dior, donc c'est le 001.
en me disant, on ne sait jamais, si le fait justement d'avoir mis une poudre très mate, ça peut étendre un peu le temps pour redonner un petit peu de vie. Et effectivement, hier, j'en ai mis un petit peu. Pas aujourd'hui, mais hier, j'en avais mis un petit peu avec le pinceau 187 de MAC qui me sert aussi à poser le blush. Donc voilà, pour réchauffer un peu, si vous voulez. Moi, je ne l'ai pas fait, mais on peut faire un peu des raccords dans le cou pour tout, un peu tout harmoniser. Voilà. Je pense que c'est un peu les trucs que j'emporterais. Ouais, si je partais un certain temps, je pense que c'est un peu mes essentiels, quoi. En blush, à votre avis. Surprise. Évidemment, le Tipsy de Tarte, hein. Voilà. Que je pose aussi donc avec le 187 de MAC. Range toujours au fur et à mesure. Et ensuite, pour les sourcils, j'avais pris mon crayon l'atelier du sourcil, enfin l'atelier du maquillage, donc la marque de l'atelier du sourcil. Parce que d'abord parce qu'il est vachement bien, j'aime beaucoup son rendu, il est facile à travailler de façon assez subtile. Et que surtout, bah, il y a le crayon d'un côté et une brosse, enfin, ça ne tombera pas plus bas. Il y a le crayon d'un côté et une brosse de l'autre. Et du coup, il n'y a pas besoin de trimballer comme si c'était une poudre, il n'y a pas besoin de trimballer un petit pinceau pour poser la couleur. Il n'y a pas non plus besoin de trimballer une brosse pour brosser les sourcils dans le bon sens, estomper éventuellement le trop-plein de maquillage, etc. Donc vraiment, super truc. J'avais juste fait attention de le tailler avant de partir pour être sûr qu'il soit bien. J'étais très contente de l'avoir emporté. Voilà. Ensuite, pour les yeux. Alors, pour les yeux, j'avais emporté, pour l'essayer, je l'avais encore jamais essayé, ça fait un moment qu'elle existe, la base paupière de Nars. Parce qu'en général, moi, je ne mets pas de base paupière, ou alors sinon, je mets la Urban Decay en cygne parce que la couleur est jolie. Et là, je me disais, oh tiens, je vais essayer. Bon, sachant quand même que je ne recommande pas tellement de faire des essais majeurs le jour d'une cérémonie importante ou un truc comme ça, parce que si vous payez une allergie ou je sais pas quoi, c'est pas cool. Donc, donc c'est le seul produit que j'ai essayé hier pour la première fois. J'aurais pu avoir une allergie, mais enfin, j'ai jamais vu personne n'avoir une allergie à ce produit-là. Enfin, j'étais pas inquiète, quoi. Bref, j'aurais pas essayé un produit de soin nouveau, par exemple, mais pour une base paupière. Voilà, donc j'ai mis ça sous mon maquillage, et alors, je dois dire que toutes celles qui m'avaient dit qu'elle est plus costaud que celle d'Urban Decay, sachant que la moins... Enfin, en ordre de costauderie, vous avez la Too Faced, ensuite la Urban Decay, et ensuite la Nars, et c'est vrai, elle est hyper costaud. C'est-à-dire que je me suis maquillée à 14h, démaquillée à 2h du matin... Et ben ça n'avait pas bougé du tout, mais du tout, du tout, du tout, quoi. Alors j'avais beaucoup rigolé, dansé, machin, etc. Mais impeccable. J'en avais mis très très peu, nickel. Vraiment excellent produit, je suis ravie de l'avoir découvert à cette occasion. Voilà, je l'arrange aussi avec ses potes. Bien, je fais mon petit rangement en même temps. Pour les yeux, j'avais aussi emporté mon chromagraphique pencil de MAC en NC15 FW20 parce que vous connaissez ma grande passion pour le fait de maquiller la waterline en beige quand on a l'air un peu fatigué. Et donc ce matin, j'étais bien contente de l'avoir parce que j'étais vraiment... Voilà, donc très utile. Et j'en avais mis hier aussi hein, pour rafraîchir le regard. Si vous ne mettez pas de noir dans la waterline, ce genre de truc, c'est extrêmement utile. Qu'est-ce que j'avais d'autre pour les yeux? Bah, donc j'avais mes Naked... Ensuite, j'avais... Attendez. Tout sortir pour... Voilà. J'avais ensuite mon regroupe... Oh, mais bon sang, dès que je baisse la tête, ça fait tout blanc. Mon regroupe Silmac. Voilà. Donc, oui, ça, c'est l'ancien. C'est pour ça qu'il est argenté. Maintenant, il est noir. Donc, mes deux Naked. Voilà. Et en mascara, j'avais pris le Baby Doll d'Yves Saint Laurent. Parce que je le trouve vachement bien. C'est vraiment... Quand j'ai envie d'avoir des beaux cils en ce moment, c'est ça que j'utilise. Donc, très, très bien. Il a pas bougé, moi les mascaras tiennent bien sur moi, hein, mais vraiment il s'est très bien comporté. Et évidemment, surprise une fois de plus, le bottom lash de Clinique pour les cils du bas, qui lui, alors là pour le coup, est réputé pour ne pas du tout couler. Et donc si vous avez les paupières grasses ou que genre vous allez pleurer pendant le mariage d'émotion, je sais pas quoi, et ben avec ça vous êtes tranquille. Il est pas waterproof, mais il tient super bien. Et en rouge à lèvres. J'en avais emporté genre 40, mais je vais pas vous les montrer vu que je les ai pas utilisés, donc c'est pas très intéressant. Alors que le reste, j'avais tout utilisé. Ah bah tiens, j'ai complètement oublié de vous parler des pinceaux que j'ai utilisés pour les yeux, mais quelle gourde. Attendez, je fais un edit. Donc pour les yeux, j'avais emporté 3 pinceaux. J'avais emporté un 239 MAC, qui me sert à poser, je commence par le fard le plus clair, comme ça, sur la paupière mobile. Ensuite, c'est tout d'ailleurs, enfin, au début c'est tout. Ensuite je fais d'autres trucs, et il me sert aussi, la tranche du pinceau me sert à faire le ras de cils inférieur.
Pour estomper et poser tous les fards dans le coin externe et les estomper en même temps, j'avais pris le, comment il s'appelle, le Base Shadow Brush de Real Techniques, qui est vachement bien pour faire ça et qui ne craint pas du tout de voyager parce qu'il est en synthétique. Et en plus, on peut vraiment bien l'essuyer si on a besoin dans un Kleenex entre deux trucs. Il se comporte mieux pour cet usage que le 217 de MAC qui est plus fragile. Et j'avais pris un 263 de MAC, mais si vous avez un 266, ça marche aussi, pour faire un trait de liner à la poudre. Voilà. Ça, ça va aller dans les pinceaux sales. Et donc après ça, j'ai presque fini. J'avais pris, que je venais d'acheter, je l'avais acheté en allant à la gare. Parce qu'on y est allé en train et on est revenu en voiture. Ça vous intéresse vachement. Bref. Un Color Boost de Bourjois. Parce que j'étais tombée dessus chez Monoprix. Et la couleur de l'emballage, j'étais là, oh mon dieu, ce truc a l'air trop joli. Et donc effectivement, ce truc est trop joli. Et c'est ce que je porte là. Et alors, c'est tellement délicieux, quoi. Regardez, c'est hyper frais. On peut en remettre. J'ai pas arrêté d'en remettre pendant le mariage, genre même sans regarder, comme c'est une couleur assez claire. Après ça, on fait ça. On passe un petit coup, on est tranquille. Bon, puis de toute façon, j'avais mon poudrier Chanel pour... Et alors, c'est hyper agréable. Ça dessèche pas du tout. Ça fait un rendu satiné, vous voyez. Ça brille un petit peu, mais pas trop. C'est pas du gloss. C'est du rouge à lèvres satiné. C'est un crayon qui se taille pas, hein, qui se dévisse, quoi, comme ça. C'est absolument génial. Je pense que je vais aller acheter toutes les autres couleurs. C'est vrai que le rouge est particulièrement joli. Donc voilà. Donc j'avais ça en rouge à lèvres. J'en avais apporté 50 autres. J'ai utilisé que ça. Et ma boîte secrète. J'avais pris, au cas où j'ai un bleu à camoufler, un truc inattendu et moche ou je sais pas quoi, j'avais pris un tube de full cover. Parce que, pas tellement pour le visage, mais plutôt pour le corps. Parce que pour camoufler un truc sur le corps, genre je sais pas, une égratignure, un petit bouton, un truc, c'est nickel quoi. Ça bouge pas du tout, c'est hyper costaud, ça tient hyper bien. Donc j'ai pas eu besoin de m'en servir, mais je l'avais emporté et c'est assez le genre de truc que j'emporte avec moi pour des occasions de ce genre où il faut être un peu nickel comme ça. Il faut vérifier avant, parce que moi j'en ai trois des full cover, j'ai trois couleurs différentes, il faut vérifier lequel est adapté à la couleur de sa peau à ce moment-là. Et ça peut un peu vous sauver la vie, quoi. Si vous avez genre, que vous retrouvez, vous rendez compte, vous êtes en robe et vous avez genre un bleu sur le mollet, un truc comme ça, ça peut bien vous aider, quoi. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais dormir pendant deux jours. Non, j'exagère, je suis pas si fatiguée que ça, je ne me suis couchée qu'à 2h30, c'est très raisonnable. Mais bon... donc voilà, donc écoutez, peut-être que ça peut en aider ou en inspirer certaines. Et voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Donc voilà, écran solaire dessous, hein, évidemment. Dans mon cas, le Kiehl's qui est mon préféré. Et voilà, les filles et les garçons, à bientôt. Ciao.